Salut à tous, c'est la tartine au micro de Vacarme. On se retrouve pour le second jour de ce Challenger Stage. Et comme hier, on va se faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans la journée. Et en plus, à la fin de la vidéo, vous saurez qui sont les deux premiers qualifiés et surtout les deux premiers éliminés de ce Major. On va d'abord regarder un petit peu les matchs qui avaient lieu pour les équipes en un partout. Et donc notamment d'abord pour les deux équipes russes, Anthropic et Team Spirit, qui ont battu respectivement Movistar et Tailou. Quand Big ne s'est pas non plus laissé surprendre par Renegades. L'affiche de ces 4 rencontres, c'était Ants contre Moose. Ce sont les partenaires de Snappy qui en sont sortis vainqueurs. Et on verra justement que le Danois, leader, a été primordial sur un clutch 1v3 sur un moment crucial du match. Pour les matchs qualificatifs de cette journée, on avait d'un côté un duel letton entre Brocky et Yekindar, entre FaZe et Virtus Pro, et de l'autre un duel danois entre Heroic et les CPH Flames. Avec un Karrigan tout en charme et en skill depuis le début de ce Major, FaZe s'est assez facilement tiré de Virtus Pro et remporte ainsi ses 4 maps, aucune défaite pour elle. Pour l'accompagner, CPH Flames peut compter depuis le début du tournoi sur un très très gros rouge. Ouais. Enfin bref, sur lui, et en a profité pour battre Heroic. Pour les équipes qui jouaient leur survie aujourd'hui, Astralis a su capitaliser sur son expérience face aux jeunes de chez Godsent. De l'autre côté, sur le duel brésilien entre Sharks et Payne, on a eu deux cartes très accrochées au départ, avant que Payne ne fasse la différence sur la dernière. On connaît donc les deux éliminés du jour, Godsent et Sharks. De mon côté, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain pour un nouveau récap, et en attendant, on se quitte sur un clip de Snappy. Allez, ciao! Some moving accuracy, some spam, but it's their inboxes being filled by the likes of Ents now. But Snappy's made their 1v1. Acor behind the smoke, he knows exactly where Acor is. Snappy focusing on the left, Acor on the right, but Snappy has a superior angle. If he's fast enough, if he's snappy enough, you might say.